Oui, Martin Fouez, je vous remercie encore de me suivre pour mes nombreuses vidéos. Je vais vous montrer un compresseur à l'air que j'ai modifié, un ancien Copeland Scroll que j'ai modifié. Anciennement, j'avais un compresseur Saint-Force qui était monté sur un 20 gallons. Puis avec le temps, il a perdu de la compression un petit peu, puis j'avais pas de place, fait que je l'avais défaite sur le 5 gallons, j'avais enlevé le casing, puis je m'en servais ici. OK, puis quand il a commencé à avoir moins de compression, il m'était acheté un petit compresseur jusqu'à Zen Tire, un tiers de force que j'ai enlevé. Puis il a pas marché bien ben longtemps, lui. Fait que là, présentement, j'ai installé un beau Copeland, un scroll, environ 18 000 BTU. OK, c'est un compresseur qui a pas marché beaucoup, beaucoup. Il était dans mes thermopompes, puis j'ai percé le bas du compresseur, puis j'ai installé un side glass pour voir mon niveau d'huile. Fait que le niveau d'huile, il est très, très bien visible. Puis sur le côté de l'aspiration, j'ai fait un drain. Fait que de même, ça me permet de, si mon niveau d'huile descend, ça me permet de mettre de l'huile dedans. Puis je roule ça avec la module, la 2050, parce que c'est de l'huile que j'avais pour mon Polaris. Puis mon Polaris prenait bien de l'huile, fait que j'en ai pas mal encore, je me traînais tout le temps ça. Fait que je vais vous expliquer un peu le principe. Ici, on a l'aspiration, puis c'est un entonnoir, je me suis fait, puis vu que je mets de l'huile dedans, ben ça reste tout le temps graisseux, fait que ça capte la poussière. Puis la fois d'après, quand j'en mets de l'huile, ben la poussière, ça va dans le compresseur. Fait que ça revient au même. Fait que on part avec la charge. Je m'en viens ici. Puis quand j'arrive ici, je me suis mis une petite valve pour être capable. Moi, je pensais être capable, être obligé de créer une mini-fuite parce que c'est un compresseur qui a un run capaciteur seulement. Fait que j'aurais pas pensé qu'il aurait reparti, mais ça part. Fait que quand je m'en viens ici, je m'en viens dans mon ancien compresseur, OK, avec des fittings que j'ai faites. Puis ce réservoir-là, j'ai les régulateurs dessus tout. Mais il y a bien longtemps, j'avais fait une jonction, puis je me suis mis un 30 livres de propane qui continue dans le plafond, il rentre dans le plafond. Puis j'ai mes instruments de mesure pour prendre les mesures dessus, tout. Fait que je vais vous montrer ça un petit peu. L'avantage d'un compresseur comme ça, c'est que c'est relativement très silencieux. Lui, le Copeland, il fait un petit toc-toc-toc une fois de temps en temps parce que il fonctionne à la pression atmosphérique. Puis le problème, c'est que la check valve, bien, elle rouvre et elle ferme. Fait qu'on entend toc-toc. Fait que là, je vais vous montrer. J'ai pas fini le contrôle encore. Fait que je vais faire ça temporaire. Je vais vous montrer le fonctionnement. Fait que je vais mettre le compresseur en marche. Là, présentement, le compresseur est en marche. Comme vous pouvez voir, c'est relativement très, très silencieux. Fait que le compresseur est en fonction. Ça fonctionne très, très bien. Il marche. On peut voir la pression sur les cadrans de nouvelle génération ou les cadrans d'ancienne génération. Fait qu'on voit, on est rendu déjà à 50 livres. J'ai environ 6 gallons de réserve d'air. Il est quand même très, très bien. Ça monte relativement vite. Fait que ça va très, 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 très bien. Je suis très satisfait. Puis j'ai mon ancien compresseur qui est encore là comme backup. Jamais il arrive de quoi. Tout est connecté ici. Ici, j'ai un manifold avec mon petit setup de hausse, tout. Fait que tout se contrôle très, très bien. Je vais l'arrêter, puis on va voir. Normalement, vous devriez être bon pour entendre un pouf. Le pouf, c'est normal. Vu que je le roule avec de l'huile de moteur normale, c'est un backfire qui fait. Mais l'air, elle sort du compresseur. Écoutez bien ça, on devrait être bon pour écouter le pouf. Ah, on a entendu un pouf. Fait que merci encore, puis n'oubliez pas de vous abonner sur mes chaînes YouTube et Facebook en grand nombre. Merci, bye-bye.